Yo les BG, Guide Galio, c'est l'un des champions que je préfère depuis très longtemps, que je joue énormément sur mon main. Donc on va en faire un guide, résultat du vote maintenant. Et oui, pas trop le choix, à la date où cette vidéo sortira. Vous aurez appris que j'ai une semaine chargée avec le cas sur OTP, la Solar Party. Je n'avais pas une seule journée dans la semaine pour tourner un guide, donc j'ai dû tourner un guide sur un champion que je connaissais déjà très bien, d'où les choix de merde. Bref, passons maintenant en rune, celle-ci. Je joue Aftershock, il y a bien entendu Predator, Dark Harvest, Spellbook. Franchement, je vous prends plus pour un con les gars, maintenant vous êtes devenus meilleurs. Vous avez compris ce que ça veut dire de s'adapter à League of Legends, que ce soit au niveau des runes, au niveau des branches des runes. Moi j'ai pris un arbre secondaire agressif, mais vous pouvez prendre Corch plus ruban de mana, vous pouvez prendre des cookies, des bots, ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas prendre Aftershock. Aftershock actuellement c'est le meilleur parce que le reste est mauvais, mais vous pouvez très bien avoir une mage qui va y avoir que Predator ce sera bien. Bref, adaptez-vous, réfléchissez, vous deviendrez meilleur à League of Legends. Comment jouer Galio? Pourquoi jouer Galio? Galio c'est bien contre les mages contrôle surtout et les champions mêlés qui sont faciles à gank. Et moi je joue TP, vous pouvez prendre Ignite avec Dark Harvest ou Predator si vous voulez vraiment jouer un matchup agressif. Moi je vous conseille de prendre Galio seulement en counter pick. En blend pick c'est du suicide, sauf si vous connaissez super bien le matchup. Et ce que vous voulez faire avec Galio c'est perma push quand vous êtes face à un match contrôle sans prendre de dégâts bien entendu. Votre passif est là pour vous aider et votre adversaire va être sous tourelle et prendre des dégâts des creeps. Moi je push la première wave, j'affronte un Twitch. Ce que je vais faire c'est que je vais directement poser cette ward pour voir ce qu'il fait. Je vais prendre un petit Q sur la wave, voilà c'est top, pas de problème. Et ce que vous voulez faire avec Galio c'est toujours vous mettre légèrement sur le côté pour que vos Q touchent à la fois les ranges et les mêlées. Détail très important. À setup des ganks. Exemple parfait de Galio, pourquoi c'est fort. Galio, c'est le meilleur setup de gank du jeu, je pense, avec TF, ce genre de choses. Donc TF, c'est un point de click CC. Galio, il en a 3, 4, 5, 6 des CC. Donc évidemment, c'est bien mieux que le reste. Il a pas de TP le mec en face, donc je peux tranquillement push cette wave. Et voilà, j'ai setup le gank. À partir de maintenant, mon but quand je joue Galio, c'est pas de prendre 18 kills, c'est d'en donner à mon jungle, à mon ADC, à mon top, et d'être partout sur la carte. Donc qu'est-ce qu'on veut prendre? Des bots. Et je préfère avoir des bots et aider le reste de ma team que de prendre Darkseal parce que je ne peux jamais tuer mon adversaire. C'est un Vel'Koz MDR et Vel'Koz ça ne se tue pas, il a barrière, il a flash, non merci. Si mon adversaire s'approche trop, on peut le trade. J'ai pas montré encore les trades avec Galio, mais si vous affrontez un match contrôle et qu'il s'approche trop de vous, n'hésitez absolument pas à faire un gros dash in. Simplement moi je peux pas trop me le permettre parce que j'affronte un Twitch et un Twitch ça veut perma gank. Alors encore une fois, je me mets légèrement sur le côté, je Q, ça touche les mêlées et les ranges, je mets une auto sur la backline et pouf, t'as clear la wave. On reste pas longtemps parce qu'ici il pourrait y avoir Twitch mid et je ne veux pas prendre ce risque. J'ai pris bonne plating, franchement dans cette lane c'est mieux de partir sur second wide, mais moi je préfère bot plating ici parce que je connais le matchup et je sais que il me servira plus contre les champions qui veulent me burst. Hop, on one shot la backline. Encore une fois, bots ne sont pas en danger, top ils viennent de tuer. Ce que je vais faire c'est que je vais aller rewarder les raptors adverses pour voir quand est-ce que Twitch va les faire, parce que Twitch peut pas faire beaucoup de camps à part les camps mono cibles, et les raptors c'est pas trop mal avec le W plus le E. Mais moi ce que je veux faire c'est push seulement quand j'en ai besoin avec Galio. Règle d'or les potes, ne pushez pas toutes les waves sans cerveau. Et si Twitch était bot, je ne vais pas push cette wave sans aucune raison, même si l'adversaire n'a pas de mana. Je vais attendre de savoir où est Twitch, et pour bien récupérer une wave, tu prends les mêlées, tu les ramènes sur les ranches, tu mets ton Q et tu mets une auto-attaque et un E, et t'as one shot 100% les sbires normalement. Plus t'avances dans la game, plus ce sera simple pour Galio de push. Et à partir du moment où tu peux out-push un Vel'Koz, tu sais que ta vie est bien, parce que Vel'Koz ça sert à quoi? À push des waves et à pressuriser en mid lane. Galio ça sert à quoi? À push des waves encore mieux, et en plus de ça, à pressuriser la map. On met le Q pareil, on touche tous les mêlées, bon j'en ai loupé un, plus les casters, ce qui fait que c'est super simple de push. On récupère le passif, on attend le passif, on attend le passif, on attend le passif. Je regarde si je peux gank bot. C'est très important de regarder si je peux gank up. Mais ici je me dis, si j'y vais, il y a un monde où ça se passe mal et c'est pas rentable. Je perds une énorme wave si j'y vais. Je ne tue pas le dernier mêlée, je le laisse en vie pour que ma wave s'agglutine sous ma tourelle, de sorte à ce que je puisse la push facilement. Vous voyez par exemple là, le Vel'Koz est venu trop proche, donc je lui mets un full trade avec Aftershock. Galio est fort pour trade. Alors ça c'est très marrant, ça s'appelle de la frustration, il perd son temps envers ça, moi je m'en vais. Juste avant une wave canon, il a perdu son ulti. Vous voyez, je prends un trade, je mets l'eau, je barre, je reviens, Darkseal, bot de Mercure. Mercure seulement utile quand vous affrontez pas mal de CC, sinon vous partez bot de pénétration magique évidemment. Là j'affronte pas tant que ça de CC facile à placer, il y en a beaucoup, c'est juste que c'est rare qu'on va me les mettre. Le E de Vayne, le E de Shen, le E de d'Irelia et le bump de Vel'Koz n'est pas considéré comme ça, c'est que tu peux réduire. Alors je ne vais pas air mon Ekarim parce que ce n'est pas rentable. Là je peux le air. On va juste s'assurer qu'on prenne les kills sur la carte. Faut faire très attention parce que moi j'ai pris Ultimate Hunter. Donc mon premier R doit être utile parce que mon R a 2 minutes 30 de CD. Donc ici en prenant un kill sur le mid adverse et en mettant le jungle en face out
pendant au moins une minute, ça fait que mon R est utile. Parce que l'ulti de Galio, contrairement à tous les autres ultis du jeu, c'est un peu unfair. On a 40 000 secondes de délai avant de pouvoir en relancer un. Donc c'est très important de bien l'utiliser. Et on va parler maintenant de deux détails importants sur Galio. Le premier, c'est le E cancel d'animation avec un mur. Tu peux E en étant collé à un mur, ça va cancel le retour de Galio, ça va te faire accélérer tout de suite. En faisant ici par exemple, si je pointe vers là, en fait tu ne recules pas, ça te fait légèrement accélérer ton animation de E. Et le deuxième, c'est comment faire pour rentabiliser un maximum ton combo. C'est en utilisant ce qu'on appelle le E reverse, qui est pas très dur, il faut juste le connaître. C'est qu'une fois que tu as cessé quelqu'un, tu veux à tout prix E reverse pour avoir plus de rapidité, parce que vu que ton Galio en fait recule légèrement avant de mettre son E, si tu le mets à l'envers, ça veut dire que en reculant tu vas faire directement le CC. Très important. Le Vel'Koz a autant de CS que moi alors que je joue un champion qui bouge énormément sur la carte, donc pour le coup, c'est ce qui fait que je suis bien dans la partie et que lui, il sert pas à grand chose. J'ai une minute avant mon prochain R. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, je push encore. Le Vel'Koz sert toujours à rien. Je regarde top, je regarde bot avec les F-keys. Si vous avez pas vu la vidéo sur les réglages importants, allez la voir. Les items sur Galio, parlons-en rapidement. Everfrost, bon item. Crown, très situationnel. Luden, très situationnel. Crown, ça peut être utile si vraiment t'affrontes un Z et que t'es pas parti Aftershock, mais bon, c'est bizarre. La plupart du temps, tu vas partir sur Everfrost. Everfrost, ça t'aidera énormément à setup des ganks, à être plus utile overall. C'est bien plus important d'avoir Everfrost que d'avoir Crown ou Luden. Luden, ça peut être joué si vraiment t'es solo AP et que tu dois faire des dégâts AP. Mais en règle générale, si tu piques Galio, c'est pour être très utile. Donc Everfrost. Je suis derrière, j'attends, regardez, je suis patient. Je vais chercher la Vayne. J'ai été cancel par le Shen. On met le burst, on continue de courir sur le déplacement, sur son futur déplacement. On laisse les kills au jungle et toujours avec Galio, tu dois kite entre tes spells pour aller chercher justement à derrière là où se trouve le chemin de sortie. J'ai mon R, je peux utiliser mon R pour aider mon Galio, ça lui donne un shield. Le shield ne suffira pas. Si ce que je fais c'est greedy, cependant c'est possible. C'est ce qu'on appelle zoner l'adversaire entre ses deux tours. Et on peut le faire. J'ai 4 secondes, 3 secondes. Je vais prendre l'aggro de la tourelle. Mettre mon Q. Mettre mon E. Prendre l'aggro de la tourelle à nouveau. Et mourir à une auto-attaque. Parce que j'ai été crit block par mon propre teammate. La tourelle n'a pas reset en damage. Mais grâce à ce genre de rotation, ma botlane sera trop forte pour le reste de la game. Et faut comprendre que Galio, c'est l'un des premiers champions de la chaîne où tu es pas égoïste. Tu vas skip des waves. Tu vas perdre toi des ressources pour en donner le double à tes carries. Ce qui fait que derrière, t'auras un Vel'Koz qui aura certes 15 CS, 20 CS de plus. Mais il servira à rien. Parce que au moment où on va se battre, mon ADC aura 7 kills. Mon jungle aura 7 kills. Les games sera free. Et pendant ce temps-là, l'erreur que vous ne devez jamais faire si vous jouez contre un Galio, contre un TF, c'est rester mid lane, pusher la tourelle, parce qu'il n'a fait que bouger partout le Vel'Koz et il ne sert encore à rien. Désolé fan de Robalas, mais il faut arrêter de courir partout sur la map. Et on a pris la première tour grâce à ça. Ici je préfère faire un Zhonya, surtout que le Zhonya a été légèrement up et aussi en coût, ce qui fait que l'item est devenu un peu plus cher et c'est un peu moins bien pour les champions comme Zilean, comme Galio et compagnie qui veulent justement des items pas chers et utilitaires. Mais c'est la vie. Donc ce que je veux faire, c'est attendre, prendre cette wave tranquillement. Je mets l'Everfrost, je vais chercher avec mon Z. On va le forcer à flash ou à barrière si possible. C'est très très bien. Vous avez vu la force de Galio? Setup un gank avec un support comme Morgana. Ça force un flash. Je vais attendre tranquillement. L'Everfrost, le Z, le E à l'envers. Vous avez vu ce E à l'envers qui a pas touché parce qu'il y a des mortes? Très important de le mettre. Ça empêche votre adversaire de flash out une fois que vous avez mis votre Z, même s'il est maxé. Parce qu'il y a beaucoup de ténacité dans League of Legends de nos jours. Donc, quand vous faites le combo, c'est Z, into. Là, c'est la cible. E à l'envers, ce qui fait que vous le touchez sur le retour. Et on part sur Zhonya. Le Zhonya, très important. Pourquoi? Ça te donne du temps supplémentaire. Ça te permet de faire des engages de fou furieux. C'est tout ce que tu veux sur Galio. Et en plus, ça te rend légèrement plus tanky. Et ici, quand t'as 1, 2, 3 auto-attaqueurs, un peu d'armure, ça fait du bien. Le R pour sauver ses teammates, c'est pas forcément le mieux. Mais ça peut être fait. Surtout que mon R maintenant a plus que 1 minute 30 de CD, 1 minute 40. Alors qu'avant, c'était 2 minutes 30. Si tu utilises ton R de manière défensive, tu n'impactes pas la carte réellement. J'ai mon R. Je peux R le Galio, le Sion ici, qui est un très bon R. J'appuie sur le max stunt, comme ça, quand le Shen va arriver, il sera mort. J'attends mon Ekarim, j'y vais. J'ai un Everfrost, donc je peux le mettre. Il est très bon, on met un full CC. Je mets le Zhonya à la fin. Je vais sûrement mourir, mais je serai mort pour la patrie. Encore une fois, le fight est gagné, parce que je fais tout ce qui est important, c'est-à-dire setup les kills, setup le teamfight, de sorte à ce qu'on fasse du 4 pour 1. Je meurs, même en utilisant le Zhonya, mais c'est pour ça que c'est fort, Galio. Il me manque des gold pour acheter mon Zhonya. Vous avez vu à quel point c'était important Zhonya dans le teamfight, ça m'a permis de temporiser et de gagner le teamfight gratuitement et faire qu'un seul mort dans notre équipe. Si j'ai mon Zhonya, je peux le refaire, donc il faut deuxième Zhonya, deuxième item. En troisième item, généralement, vu que t'es une sorte de support mid, ça dépend de la situation. Tu peux partir sur de l'anti-heal, ce qui est très bien ici, c'est ce que je vais faire.
faire sûrement. Tu peux partir sur un peu plus de dégâts en prenant Démonique en bras, ce qui est le meilleur item. Si tu as pris un peu plus d'AP, tu peux prendre Rabadon. Une Banshee, pourquoi pas. Zonia Banshee, c'est pas si mauvais. Et ici, bot, c'est pas mon délire. Je veux pas les bots, j'ai pas de R, j'ai rien. Moi, ce que je veux, c'est farmer mon Zonia. Pour comprendre que même si Galio, c'est un champion qui n'est pas un carry, il me faut des items. J'ai mon Zonia à la base, regardez, je fuis instantanément parce que Irelia nous turbo-fume. Je peux bait Irelia si elle vient. Elle est venue. On met le W max chargé, on met l'Everfrost, on met le Q et l'auto-attaque. Je vais chercher mon Zonia. Et vous avez vu à quel point c'est agréable de jouer Galio. Une sensation de satisfaction à chier sur les adversaires sans pour autant les détruire par soi-même. Il faut que j'aille récupérer la wave, c'est ça qui est fort avec Galio, c'est que vous êtes comme TF. Vous pouvez l'inside pour récupérer les waves. Vous n'avez pas peur que votre team se batte sans vous. Ça c'est un point important, je vois souvent sur mes streams, dans mes vidéos et tout ça. Shriek, à chaque fois je carry, mais ma team se bat sans moi et je perds. Bah frérot, je joue Galio. Comment ça Galio c'est bien? Bah pourquoi pas. Parce que si tu joues Galio, ta team se bat, tu peux arriver avec ton R. C'est ça la différence avec n'importe quel autre champion mid lane, c'est que contrairement à tous les autres champions ici, si là Xayah décide de se battre ou se fait agresser, j'appuie sur R, elle est sauvée et en plus on peut turn le fight. A few moments later. Je suis avec ma Xayah, je ne bouge pas, je reste sur elle. Là je R sur le Hecarim, très bon R ici. J'appuie sur W max range. J'en ai un, j'en ai deux. On a les kills. Maintenant il faut qu'on prenne le Drake et terminer la game. 50 secondes, c'est largement assez long. Oh, alors ça. Double CC, encore, je prends l'aggro. Je Zonia, je gagne du temps, il reste 29 secondes. J'appuie sur W, je la full CC. Même si je meurs, on gagne la game. Parce que je connais le sens du sacrifice. Non, parce que mon champion est fait pour aider les autres à être puissants. La game a été longue, et on a vu plein de choses intéressantes sur Galio. N'oubliez pas, si vous voulez devenir meilleur sur Galio, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez jouer pour votre carry. Donc, ciblez seulement votre carry. Vous devez comprendre quel est le carry de votre équipe, votre top, votre ADC, votre jungle, même votre support des fois, si c'est une Senna ou quoi. Et une fois que vous avez ciblé ce carry, défendez-le. Et si vous n'avez pas de carry, allez vers l'avant et allez dans le tas et battez-vous. C'est un excellent champion pour gagner des LP, Galio, mais il faut juste pas le blind pick, sauf si vous jouez Ignite et Electrocute, ce genre de jeu dingue. J'espère que le guide vous aura plu. C'était bien plus centré sur la macro et la micro que d'habitude. Bonne chance à vous si vous faites des gains de Galio. C'est très très bien Galio. Ciao, bye. Aujourd'hui, j'ai pas d'idée. Il n'y a pas d'outro spécial. Adieu.